bienvenue sur la 21e étape du Tour de France 2008, étant Paris, les Champs-Élysées, donc avec la victoire au Grand Prix de la Montagne pour Bernhard Kohl, l'Autrichien de la Gerolsteiner, et surtout le succès au classement général de Carlos Sastre. Le final a été animé tout d'abord par une première offensive d'Ogé, et ensuite c'est la formation de la Française des Jeux qui va animer les derniers kilomètres avec Arnaud Gérard et surtout le jeune Philippe Gilbert Dossard 165. Mais le coureur de la formation de la Française des Jeux va être pris. On va voir Sylvain Chavanel, alors sous les couleurs de la formation Cofidis, tenter sa chance. Malheureusement pour Mimosa, il va être repris à moins de 2 km de l'arrivée. On voit maintenant la formation Chipolt emmener le peloton, mais c'est surtout l'équipe Quickstep. Je vous rappelle que l'équipe Quickstep n'avait pas Tom Bonnen sur ce Tour de France positif à la cocaïne. Il faut donc sauver l'honneur pour l'équipe Quickstep et on va voir un gros travail de Matteo Tosato. Ensuite, c'est Steven De Jong, le néerlandais, qui va lancer la fusée Geert Stegmans, le sprinter belge, troisième notamment de l'étape à Narbonne. Et il va résister au retour de Siolek de la formation Colombia et du maillot vert Oscar Freire et signer ainsi son deuxième succès d'étape sur le Tour de France après l'étape de Gand en 2007 où il avait devancé son équipier de l'époque, Tom Bonnen. On va voir donc ce sprint avec l'énorme travail de De Jong. Il lance parfaitement Geert Stegmans derrière. On voit que Oscar Freire sort de sa boîte avec Siolek. Mais c'est trop tard, ils reviennent, mais la ligne d'arrivée revient beaucoup trop vite. Stegmans s'impose devant Siolek, Freire, McEwen, Uchoff, Dean Schumacher, Forster, Duque et Robert Hunter. Et au classement général, victoire donc pour Carlos Sastre devant Cadel Evans, Bernhard Kohl, Dennis Menchoff et Christian Van de Velde.